Quelqu'un qui, depuis 8 mois, présente le 40 minutes, qui avant faisait un certain nombre d'émissions de variété. Et c'est une performance quand on change un petit peu de métier dans sa vie. Alors, cette vedette, c'est vous, Marilyn, et je suis le porte-parole donc de la chaîne, de la rédaction, pour vous fêter. Et vous fêtez pourquoi aujourd'hui? Parce que vous avez 34 ans. Et pour ces 34 ans, il faut le dire, vous allez regarder un document intéressant. Regardez. Ah bon? C'est une surprise. Marilyn est née un 1er mai, ça porte bonheur. La preuve, elle a déjà passé 13 premiers mai à RTL. Tout commence à Verdun à la fin des années 50 avec un physique déjà prometteur. Mais le vrai départ, c'est son titre de Miss Lorraine en 1975. La révélation, le tremplin pour sa carrière future à RTL qui s'appelait encore Télé Luxembourg. Marilyn commence à être connue, mais pour elle, la télé, c'est encore les paillettes d'un monde lointain et inaccessible. Et pourtant, en 1977, le public et de grands professionnels l'élisent meilleure speakerine. C'est Marilyn Bergman. Vous auriez une personnalité à inviter à dîner. Ah. Et vous auriez le choix entre M. Raymond Barre et Johnny Hallyday. Qui prendriez-vous? Quel problème! Alors c'est là... un problème, effectivement. Je ne peux pas les inviter tous les deux en même temps. Ça non, 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 il n'y a pas question. C'est intéressant, hein? Non, c'est pas le même genre. Et là, tout commence. Citron Grenadine, jusqu'en 83, le début du succès à l'antenne et le début du fameux duo Marilyn Bergman, Jean-Luc Bertrand. Mais sa plus grande fan depuis toujours, c'est Suzanne, sa mère. Émission, voyage, moment fort, coup dur, rien ne lui échappe. Suzanne vit à travers sa fille. Elle ne savait pas tellement comment s'orienter, mais tout ce qui brillait, la télévision, le cinéma, tout ça, ça... Elle était fan de ça, alors quand évidemment elle a eu l'occasion d'entrer à RTL pour ses débuts, c'était vraiment ce qu'elle aimait. J'ai une fille unique aux deux sens du terme. Consécration en 1988, Marilyn Bergman reçoit le Moustique d'Or récompensant la meilleure présentatrice de télé, toutes chaînes confondues. On ne compte plus les couvertures de magazines, plus d'une quinzaine pour ciné-revues dont un numéro complet sur Marilyn, un honneur d'habitude réservé aux défunts. Regret ou pas, Santa Barbara lui propose un rôle, mais elle tourne le dos à Hollywood et préfère RTL. Bonsoir et bienvenue à tous dans le 40 minutes. Septembre 90, le grand virage. Marilyn présente le 40 minutes. Au début, un défi, aujourd'hui une réussite. Le golf, parmi les militaires lorrains, le goulag au fin fond de l'Oural en URSS. De nouveaux moments forts pour Marilyn qui entame une nouvelle carrière et qui ne regrette rien. Tous les prisonniers au cas où l'un d'eux tenterait de s'échapper. Dernière consécration en date, les honneurs de la télévision soviétique, Marilyn rayonne devant 3 millions de téléspectateurs. Marilyn, je pense que tu m'écoutes puisque tu es à ton au studio. Alors bon anniversaire et tous mes voeux pour l'année qui vient, ainsi qu'à tous ceux qui t'entourent. C'est un vrai scoop. Hein, oui, parce que là, c'est la première fois que Suzanne, votre mère, parle à la télévision, qu'elle accepte de parler à la télévision. Je ne sais pas vraiment quoi ajouter, je suis très émue et je vous remercie. Alors on continue 40 minutes puisque c'est votre nouveau métier. Et je voudrais ajouter que vous avez fait quand même beaucoup de recherches en très peu de temps parce que là j'ai jamais vu autant de documents réunis. Mais ils sont très forts dans les 40 minutes, c'est vrai. Merci en tout cas, c'est un anniversaire dont je me souviendrai.